la méditation de Joyce Meyer, votre vitamine quotidienne. Chers amis, le verset biblique du jour se trouve dans Psaume 46, verset 10. Il fait cesser les combats jusqu'aux confins de la terre. L'arc, il l'a brisé et il a rompu la lance. Il a consumé au feu tous les chars de guerre. L'une des choses les plus importantes que nous pouvons faire aujourd'hui est d'apprendre à être paisible. Je crois que l'une des raisons principales pour lesquelles nous sommes épuisés et stressés est que nous ne savons pas comment être calme. Nous ne connaissons pas réellement Dieu et nous ne le reconnaissons pas. Et ce n'est pourtant qu'en passant du temps à le connaître que nous pouvons apprendre à connaître sa voix douce et calme qui guide nos pas. Nous devons apprendre à être paisibles intérieurement et à rester dans cet état de calme afin d'être toujours en mesure d'entendre la voix de Dieu. Beaucoup de gens aujourd'hui courent d'une chose à l'autre parce que leur esprit ne sait pas comment s'apaiser. Ils ne savent pas comment apaiser leur cœur. En revanche, si nous ralentissons quelques instants pour calmer notre esprit, en sorte de pouvoir entendre ses recommandations, nous pourrons vivre de manière paisible et joyeuse, étant libres de tout épuisement et de tout surmenage. Ce n'est pas si compliqué, tant que nous restons calmes devant Dieu. Prions ensemble. Seigneur, je reconnais que toi seul es Dieu. Je sais qu'être paisible devant toi est important. Donc montre-moi comment rester ancré et calme intérieurement et toujours prêt à entendre ta voix. Merci d'avoir écouté. Si vous souhaitez recevoir plus d'encouragement de la part de Joyce, abonnez-vous gratuitement à la newsletter mensuelle sur joycemeyer.fr/newsletter. Soyez bénis et à bientôt.